16 ans et je suis en terminale CGEA au lycée agricole public de Saint-Aubin-du-Cormier. Quel projet pour l'avenir ? De m'installer en vache laitière. Deux en vache laitière du coup. Bravo. Voilà. Relevez là. En petit, en taille humaine. Allez, quelle est votre question pour vous, enfin pour le ministre Mathilde ? J'ai entendu de parler de la PLOA. Et je me demandais... Alors, PLOA, ça veut dire, c'est pacte, loi d'orientation, avenir agricole. Voilà, exactement. Et j'aimerais savoir en quoi ça pourrait m'aider pour mon projet d'installation. Vous êtes issu du monde agricole ? Non, je suis non issu du milieu agricole. Alors, c'est plusieurs choses. Je commence d'abord par dire, mais je vais essayer de pas être trop long, que c'est un pacte. Parce que je pense qu'on a besoin... que la société dise quelque chose aux agriculteurs ou à ceux qui veulent s'installer pour attirer vers les métiers d'agriculteurs. Donc c'est vraiment ces pactes, lois. Enfin, le premier besoin, c'est celui de couvrir notre souveraineté alimentaire. Et puis la deuxième chose, c'est de l'engager résolument dans les transitions, parce que je pense qu'il n'y aura pas de souveraineté si on n'arrive pas à préparer ce qui va être le grand défi. En tout cas, j'en ai un sous les yeux, c'est le défi climatique. Bon. Ça, c'est ce qu'on veut faire.